Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 8 novembre. Il est 1h30 et ça fait un méchant bout que j'ai vlogué. Encore une fois, vous allez comprendre parce que je fais cette vidéo-là pour vous expliquer ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Inquiétez-vous pas, là. La grossesse va bien. La famille va bien, tout ça. Mais en tout cas, c'est passé quelque chose qui m'a vraiment. Qui est vraiment venu me chercher. Fait que je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Fait que c'est ça. Mon chum est en train de gamer. Ma fille est à la garderie. J'espère que vous entendez pas trop ma laveuse sécheuse. Mais là, mais ça, je l'arrêterai quand je filmerai, mais il faut que le lavage se fasse. Fait que si je l'arrête, si j'arrête ma laveuse, ben il y a des risques que je la repars jamais parce que je vais oublier. Fait que bref, fait que là, on est assis super confo. Ben on, je suis assise super confo parce que ça risque d'être une vidéo assez longue. Ben j'en ai quand même assez long à dire. Fait qu'en tout cas, je vais commencer tout de suite. Mais inquiétez-vous pas, là, stressez pas. Ça va bien. Mais c'est juste que vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais en dire. Donc, pour commencer, je vais dire le nombre de semaines que je suis rendue. Je suis rendue à 20 semaines et 5 jours. J'ai dit, on est le 8 novembre, ouais, je me sens que je l'ai dit. 20 semaines et 5 jours aujourd'hui. En ce moment, la grossesse va bien. Je me sens énormément fatiguée, mais probablement avec les émotions que j'ai eues dans les dernières semaines. J'essaie de rattraper. De rattraper le sommeil, etc. Mais c'est ça. Sinon, ça va bien en général. Je sens le bébé bien bouger. Et que ça, c'est le fun. Ça fait depuis à peu près mes 18 semaines que je le sens bouger. Fait que c'est ça. T'sais, je suis pas une fanatique là, de sentir le bébé bouger. Je trouve tout le temps ça un petit peu, je sais pas là, comment dire, là, spécial, je dirais, là, de sentir que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi. Je suis pas une fanatique aussi d'être enceinte. Fait que on s'entend tout de suite pour dire que, ben c'est ça, je suis heureuse que ça bouge, je suis heureuse qu'il soit bien. Puis je dis « il soit » parce que je sais pas le sexe encore. Mais c'est ça fait tout un petit peu bizarre de sentir bouger, là. En tout cas, bref. Fait que, en gros, là, il y a 3 semaines, ouais, à peu près, là, à peu près, j'ai eu un rendez-vous et le chat va embarquer dans l'arbre à chat. Parce que là, vous êtes sur un arbre à chat en ce moment. Le chat va embarquer dessus, mais je veux pas qu'il. En tout cas, bref. Il y a environ 3 semaines, j'ai eu un rendez-vous de suivi de grossesse. Tu sais, c'est vraiment un rendez-vous. Ça dure quoi? 5 à 10 minutes, là. Le médecin va prendre ta pression, ton poids, écouter le cœur du bébé, bien sûr. Puis sinon. Si j'ai passé des examens, quoi que ce soit, dans les dernières semaines, puis qu'il a reçu ses résultats, ben, il va me le dire. Fait que c'est vraiment, c'est très très simple comme rendez-vous, là. Puis au début de la grossesse, c'est un rendez-vous une fois par mois. Ensuite, ça va être une fois aux 2 semaines. Oh, 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 le chat. Ça va être une fois aux 2 semaines, puis après ça, à la fin de la grossesse, ça va être une fois à chaque semaine. Bref. J'ai mon rendez-vous de suivi de grossesse. Tout allait bien. Vraiment, là, belle pression. J'ai pris assez de poids.
Sinon, le bébé allait bien. Il bougeait énormément. Puis elle a eu de la misère à prendre son cœur, ses battements de cœur, mais elle a réussi. C'est fou comment il bouge. Là. Mais à ce moment-là, je chantais rien là, encore. Là, j'étais comme, tu me dis qu'il bouge, mais moi, je chante rien encore. T'sais. Mais c'est ça. Fait que ça allait bien. Puis là, elle me dit, c'est drôle parce que j'ai pas encore reçu les résultats de ma prise de sang de trisomie 21. Fait qu'elle dit, j'ai envoyé une requête. Fait que quand je vais avoir des nouvelles, je vais t'appeler si jamais c'est y a quelque chose. Mais si tu reçois aucun appel, ça veut dire que ça va bien. Puis qu'il n'y a rien de grave, là, faut pas que tu t'inquiètes. Là, si les médecins y appellent pas, là, c'est parce que ça va bien. Là, t'sais. Fait que finalement, elle m'a appelé le lendemain matin, quand même de bonne heure, pour me dire que bon, elle avait reçu ma prise de sang et que j'avais un haut risque que mon enfant soit trisomique. Vous savez, j'aime pas ça dire que mon enfant soit trisomique, mais comment je peux dire ça? Qu'il y a la trisomie, dans le fond, là. Fait que, sur le moment, j'ai juste fait comme, ah, ok, bon. Elle dit, stresse pas, c'est une chance sur 240. La limite, c'est une chance sur 300. En haut de une chance sur 300, on va jamais avertir, mais en bas de ça, on va. On avertit parce qu'on veut t'sais, passer des examens pour voir, puis tout ça. Fait que ça reste de même. Moi, j'ai dit, bon, ben, c'est parfait. Elle dit, là, je te prends rendez-vous avec un spécialiste. Et t'sais, à partir de là, il va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis si jamais ça arrive, il va pouvoir te dire les options qu'il y a, dans le fond. Fait que moi, je suis comme, ok, bon, ben parfait. Fait que là, elle me dit, bon, ben, on se voit à ton prochain rendez-vous. Puis si jamais il y a quelque chose, ben, appelle-moi. Je suis comme, ok, parfait, tu sais, comme normalement. J'ai dit bonne journée. Puis là, je raccroche, puis je suis comme, wow, ça va pas, là. J'ai des chances que mon enfant soit différent. J'ai des chances que mon enfant soit malade. Parce que dans un sens, la trisomie, c'est une maladie. Ben dans un sens, c'est ça, c'est une maladie, c'est un handicap dans le fond. J'ai vraiment eu un choc. Là. Solidement, là. Même si elle me dit, stresse pas, c'est une chance sur 240, c'est pas une chance sur 10, tu sais. Je suis comme, ouais, mais ça risque que, il faut que j'aille passer des examens. J'ai des hauts risques. Fait au final, c'est quand même grave, tu sais. Même si ça veut rien dire. Fait que, bref, j'ai pleuré. À ce moment-là, j'étais tout seule avec ma fille, mon chum travaillait, faisait de l'over, puis c'est ça. J'ai pas été capable de me retenir. Au départ, je me suis dit, c'est pas grave, tu sais, je vais voir plus tard, j'attendrai, tu sais, de voir ce qu'il y en a vraiment, mais j'ai paniqué ben raide, là. Puis, on dirait que à ce moment précis, j'ai eu. Tu sais, quand on est enceinte, on a un gros lien d'attachement avec l'enfant. Et c'est comme si ça savait. Effacée. J'avais plus aucun lien d'attachement. J'avais plus envie d'avoir cet enfant-là, on dirait. J'avais pas envie de vivre ça. J'avais pas envie de me dire que mes projets futurs vont peut-être être plus difficiles à réaliser, que ça se pourrait qu'il faut que j'en abandonne à cause que un enfant
comme ça, ben, je veux pas, c'est plus d'occupation. C'est énormément de rendez-vous. Ça se peut que l'enfant ait plein de problèmes, que ce soit des problèmes cardiaques, etc. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit non. Non. Je veux pas vivre ça. J'avais juste envie, puis je me sentais sans cœur à ce moment-là, tu sais, de avoir cette réflexion-là. Puis encore aujourd'hui, mais je me sens sans cœur d'avoir eu ça, mais c'est, tu sais, je vous le dis parce que c'est ça qui s'est passé, tu sais. J'avais juste envie de, je sais pas, ouvrir ma bédaine, là, puis genre, enlever le bébé de là, puis juste, j'ai pas envie de vivre ça, tu sais. Fait que j'ai appelé mon chum, j'ai dit, lui il est comme jamais, il a jamais de réaction à rien là, il est tout le temps, tu sais, il dit jamais rien là, il est juste bon ben ok, tu sais. Après ça j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai appelé ma soeur, puis ouais c'est pas mal ça à ce moment là. Fait que c'est ça. Je me suis fait dire par ma soeur que j'étais sans cœur. Puis elle avait quand même raison, tu sais. Mais en même temps, chacun ses choix, mais. En tout cas, bref. Chloé, si t'écoutes ça, ça m'a juste fait réaliser bien des choses, tu sais. Fait que. Sens-toi pas mal. Sens-toi pas mal. Puis sinon, ben, mon chum m'a dit ben, on s'en reparlera à soir quand que je vais rentrer à la maison. Puis ma meilleure amie, elle m'a dit va, tu sais, renseigne-toi. Elle dit peut-être que finalement, tu sais, ton avis va changer. Ou que, tu sais, au moins tu vas être informée si jamais ça arrive ou quoi que ce soit, tu sais. À ce moment-là, j'avais aucunement envie de m'informer là-dessus. Là. J'étais juste comme non. J'en veux pas. Je veux plus rien savoir. T'sais. C'est comme si le lien d'attachement s'avait brisé. Là. Ça me fait de la peine de le dire, mais c'est ça pareil. Fait que c'est ça. Puis ce qui est triste, c'est que j'essaie de me retenir de pleurer devant ma fille, mais je faisais juste la voir jouer, être en santé, chialer. Je la voyais faire, je la voyais, tu sais, vivre sa vie. Puis, j'étais juste comme, pourquoi le deuxième bébé serait pas comme ça, tu sais? Pourquoi le bébé il serait différent? Tu sais, je dirais que j'avais de la rage. Puis, tu sais, j'ai remis en question plusieurs choses que j'avais faites que t'es comme plus ou moins censé faire durant la grossesse, là, mais on s'entend que c'est relatif. Faut dire que ma mère, elle en mangeait des charcuteries. Il y a du monde qui en mange du fromage. Je sais pas quoi, là, mais moi j'aime pas le fromage, fait que j'ai aucun problème avec ça, là, mais tu sais, parce que vous comprenez là, les choses qu'on a pas le droit de faire enceinte, genre manger un jaune cru sur un œuf, ou tu sais, les affaires de même. Là. Mais j'avais mangé, au début de ma grossesse, j'avais mangé des charcuteries, ben pas mal ça là. Fait que j'étais comme, ah, c'est de ma faute. Mais ça n'a aucun lien, là, parce que la trisomie, c'est dans les gènes, là. T'sais, c'est pas avec quelque chose que tu manges. Là. Fait que. En tout cas, fait que ça a été ça ma réaction du moment. Dans la soirée, j'en ai parlé avec mon chum, puis il m'a dit, moi non plus, je veux pas vivre ça. Il dit, j'ai pas envie de. C'est ça, j'ai pas envie de vivre ça, fait que. Mais d'ici, tu veux vraiment, vraiment, vraiment le garder. On va le garder pareil, puis tu sais, on va se soutenir ensemble, puis on va être capable, tu sais, d'avoir un enfant,
différent, tu sais. Fait que... Mais à ce moment-là, moi, j'étais là, non. Non, j'en veux pas. Puis, si il est comme ça, je veux rien savoir, tu sais. Sinon, j'ai parlé à ma grand-mère, la soirée même, puis là, elle me dit, Amy, tu sais que on va l'aimer pareil, hein, même s'il est différent. Ça va être... On va l'aimer comme on aime Clara. On va être aussi heureux de l'avoir dans notre vie. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a fait... Cette phrase-là m'a fait vraiment réaliser... m'a fait vraiment réaliser quelque chose. Fait qu'à ce moment-là, je suis allée me renseigner sur la trisomie. J'ai écouté des vidéos sur YouTube, j'ai écouté des interviews, j'étais allée lire. Fait que c'est ça que j'ai fait dans la soirée, je me suis informée, puis j'ai écouté une émission française. Dans le fond, c'est une émission que ils reçoivent des gens qui ont vécu plusieurs affaires, là, puis il y avait une émission sur la trisomie. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai fait. Non, non, non. Voyons donc. Ces enfants-là sont si enjoués, ils ont une joie de vivre, ils sont bien, ils rendent leurs parents heureux, les parents sont heureux de les avoir. Tu sais, ils demandent rien aux autres, là. Ils demandent juste de se faire aimer au final, tu sais. Fait que je me suis dit ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit. Impossible que si jamais mon bébé est comme ça, que je l'abandonne, tu sais. Fait que j'ai dit à mon chum, à ce moment-là, je lui ai dit, on le garde. Peu importe ce qui arrive, qu'il aille un bras, trois jambes, qu'il soit trisomique, qu'il soit n'importe quoi, on le garde. Il a rien demandé. Il a absolument rien demandé, il veut juste de l'amour. Fait. On va y en donner, puis c'est ça l'important, t'sais. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai vécu, mon rendez-vous était, avec le spécialiste, c'était une semaine et demie après. Une semaine et demie après que mon médecin m'a appelé, dans le fond. Fait que à partir d'aujourd'hui, là, ça fait à peu près... Ah ben, c'est jeudi passé. Ouais, c'est jeudi passé. Fait que près une semaine et demie, deux semaines après l'appel de mon médecin. Fait que tout le long que j'attendais, tu sais, j'étais plus stressée. J'étais juste comme, il arrivera ce qui arrivera, tu sais. C'était ça mon mindset. Fait que finalement, vient le jour du rendez-vous, jeudi ou vendredi passé. Là, on est lundi en ce moment. Je pense que c'est jeudi. J'arrive à la clinique et l'infirmière, elle me prend seule, puis elle me pose plein de questions. Puis à la fin, elle me dit, inquiète-toi pas. Tu vas avoir des bonnes nouvelles. Fait que je suis comme, je comprends pas, tu sais, je suis comme, ok. Dans ma tête, tu sais, là, une chance sur 240, là, c'était comme une chance sur, tu sais, la chance, là, tu sais, mettons, cette chance-là, tu sais. Fait que finalement, je rencontre le médecin et je me fais dire, bon, ce qui s'est passé, c'est que on s'est fié juste à la première prise de sang que tu as faite. Elle a dit, là, il y a quelques semaines, tu as pris la deuxième prise de sang. La première prise de sang, tu sais, on a dit, on regarde moins de choses. Et qu'elle dit, là, tu avais une chance sur 240. Mais vu que les chances étaient quand même élevées, elle dit, ton médecin préféré, tu sais, que tu vois tout de suite un spécialiste si jamais il y avait quelque chose. Puis, elle dit, tu sais, ton médecin s'est dit que si jamais. Si jamais avec la deuxième prise de sang, c'était, tu sais, il y avait
moins de risques, ben au moins on va avoir eu les examens, tu sais, pour vraiment savoir, tu sais. Fait que finalement, elle m'a dit, c'est ça. Avec la deuxième prise de sang, elle dit, ça te fait plus une chance sur 240, ça te fait une chance sur 3000. C'est-à-dire que, tu sais, il n'y a jamais une chance, tu sais, il n'y a jamais zéro chance, mettons, là, c'est tout le temps une chance sur quelque chose. Mais elle dit, tu peux considérer qu'une chance sur 3000, là, c'est vraiment, c'est presque zéro. Là. Elle dit, c'est rare que ça arrive, que la chance sur 3000 va être ça. Puis elle dit, la moyenne à ton âge, c'est une chance sur 1500. Fait que toi, t'es en haut de la moyenne. Fait que t'as encore moins de risques que la moyenne des gens. Fait que pour vrai, là, on dirait que j'étais vraiment heureuse qu'elle me dise ça, mais j'étais tellement rendue dans un mindset que peu importe ce qui arrive, je le garde, cet enfant-là, qu'on dirait que ça m'a rien fait. Je suis sortie du rendez-vous avec mon chum, j'ai dit bon, parfait. J'ai dit, la seule chose qui m'enrage, c'est que on m'a fait vivre des émotions très négatives. Il aurait pu pas me le dire tout de suite et voir avec la deuxième prise de sang ce que ça donnait vraiment, tu sais. À place de juste se fier à la première prise de sang, j'étais comme fâchée qu'on m'ait fait vivre des émotions aussi fortes, aussi plates. Mais tu sais, je comprends, c'était par précaution tout ça. Puis, tu sais, je suis une personne très anxieuse. Très anxieuse. Je suis diagnostiquée. C'est sûr que c'est peut-être une pas si bonne chose de me le dire sans se fier à la deuxième prise de sang, mais en tout cas, je leur en veux pas. Je pense qu'ils ont fait la bonne affaire. C'est juste que pendant ces deux semaines-là que je croyais que j'avais, que mon bébé était trisomique, ça m'a vraiment comme épuisée. Vraiment. Fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'essaie de reprendre la fatigue. J'essaie de reprendre la forme, tout ça. Puis j'en ai beaucoup à rattraper, là. Ça m'a vraiment épuisée là, comme nouvelle. Puis finalement, tout est correct. Tout est beau. Comme enragée en même temps, mais au moins ça va bien, ça va vraiment bien. Fait que c'est ça, j'avais pas envie de vlogger parce que j'avais pas envie de faire à semblant d'aller bien. Oui, je m'avais dit que, tu sais, j'avais pris ma décision que si jamais le bébé a cet handicap qu'on pourrait dire, que je le gardais, mais faut se dire que ça m'a vraiment pris de l'énergie, là. Vraiment. Fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, ça va bien. Là, j'attends mon échographie de morphologie qui est le 15 novembre, je pense. Mais je suis confiante, là. Je pense que ça. Mon écho va bien se passer, là. Tu sais, on. En tout cas, s'il y a une autre affaire, il y aura une autre affaire. Mais au moins, je sais que la trisomie est un. Tu sais, j'ai comme des chances très faibles. Très faibles. Tu sais, faut se dire, tu sais, comme j'ai dit, la moyenne des gens, c'est une chance sur 1500. Là. Puis moi, je suis à une chance sur 3000 que mon bébé le soit. Puis il n'y a jamais. C'est jamais zéro chance, tu sais, comme j'ai dit. Fait que oui, ça se pourrait que ça soit la chance sur 3000, puis que j'accouche, puis que mon bébé soit comme ça. Mais, gars, ça arrive, mais ça peut arriver à n'importe qui, là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça qui s'est passé dans les dernières semaines. Ça m'a vraiment grugé mon énergie. Je pense à mon chum aussi, mais il est pas vraiment démonstratif dans ses émotions. Puis, je me sens vraiment sans cœur, indigne d'avoir voulu abandonner mon enfant comme ça. Sachant que lui, il n'a absolument rien demandé. Puis, je veux dire, tu sais, en ce moment, je suis rendue à 20 semaines. Un avortement, je pense que c'est jusqu'à 23,
23, 25, en tout cas je pense, une 25 semaines environ là, qu'on a le droit à l'avortement. Imagine là, c'est plus un petit fœtus là, c'est un petit bébé là. J'en reviens pas, t'sais, c'est correct, si vous avez passé par là, si vous pensez, c'est votre choix à vous. Mais pour moi, c'est impensable que j'aie eu cette réflexion-là. J'ai tout le temps été un petit peu anti-avortement pour moi, mais pro-choix pour les autres. Mais vraiment anti-avortement pour moi, puis là j'y ai pensé. Puis je me sens vraiment pas bien du tout avec ça. Considérant que c'est juste une trisomie. C'est pas comme si mon bébé, c'était pas moi, il avait un gros handicap pis que sa vie serait plus difficile que s'il serait pas là, mettons, là, t'sais. En tout cas, bref. Fait que c'est ça qui s'est passé. Je voulais vous en parler parce que ça me fait du bien d'en parler. Parce que je sais que il y a plein de gens qui doivent vivre ça aussi. Puis vous avez aucunement à vous sentir pas bien de sentir les émotions que vous vivez. Qu'ils soient positives. Une émotion. En tout cas, que ça soit positif ou négatif, vous pouvez vivre ce que vous voulez comme émotion. Sentez-vous aucunement jugé ou mal. Et voilà. Donc, c'est ça. J'attends mon écho de morphologie, comme j'ai dit, mais je suis très confiante que ça va bien. Là, écoutez, ils ont juste eu une petite frousse parce que, à cause de ma première prise de sang, mais tu sais, comme là, ma grossesse est très normale. Là, il y a aucun problème. Le bébé est très en santé. Moi aussi, la grossesse va bien. La bédaine grandit bien. Fait que c'est ça l'important. C'est ça l'important. Puis c'est ça. Fait que voilà. Et en passant, dernière chose. Ma fille a eu ses 2 ans. Vendredi passé. Déjà 2 ans. Je suis vraiment nostalgique dans la vie. Puis juste à penser qu'elle est rendue à cet âge-là. Je peux pas imaginer que ça grandisse si vite. C'est fou, Rem. Elle est tellement rendue. Tellement rendue grande. Elle est tellement rendue. Elle est intelligente. Elle est hot, ma fille. Fait que c'est ça. On a fêté vendredi. J'ai préparé sa fête. C'est ça. Toute la journée. Là, on a fêté samedi avec ma famille, dimanche avec la famille à mon chum, parce que sinon ça faisait vraiment beaucoup de monde, puis avec les restrictions du gouvernement là, j'avais pas le goût d'avoir des amendes. Elle était vraiment contente, pour vrai là, c'est un amour là. Elle ouvre ses cadeaux puis elle est juste trop heureuse. Elle est vraiment trop contente là, elle dit des merci puis c'est un amour pour vrai. Fait que c'est ça. Fait que si vous voulez en voir un petit peu plus, là, j'ai mis des photos de la journée de samedi et de dimanche sur mon Instagram. Fait que après ce clip-là, je vais mettre la réaction à ma fille quand elle a vu ses décorations le samedi matin. Moi et mon chum, vendredi, on s'est couché à 4h du matin. Ben, vendredi. Dans le fond, on s'est couché samedi à 4h du matin. Parce qu'on voulait finir les décorations puis ce qu'on avait à préparer. Fait que ça a été quelque chose. Samedi, on a fait un brunch. Et dimanche, j'ai fait de la pizza maison. Et que je mette le clip à ma fille qui voit ses décorations. Je suis vraiment fière de mes décorations. En tout cas, vous allez voir là, mais il y a des chiens, du rose, ce qu'on aime le plus, moi puis Clara. Fait que c'est ça, je vous laisse sur le petit clip et sur ce, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.
qui devrait être très bientôt. Parce que maintenant que j'ai mis ce qui s'est passé en update, maintenant je suis prête à passer à autre chose. Puis juste vous emmener avec moi dans la fin de ma grossesse. Faut dire que je suis déjà rendue à la moitié. Puis vous emmener avec moi dans ma vie de maman, dans ma vie, quoi. Fait que... Bref, on s'en repart, c'était déjà une grosse vidéo, fait que je vous laisse le clip, et bye! Tu veux toucher au ballon? Tu veux une balle? Le chien? Viens là-bas. Viens voir. Regarde le chien. Oui, maman va mettre des ballons à terre. Faut juste que je lave le plancher, OK? Oui, un cochon. Un collant? Est-ce que tu es contente de la décoration pour ta fête? Un cochon. Oui. Maman. Quoi? Ballon. Ok, maman va sortir des ballons.